Voici en reste risque de tout dit Schrödinger. Faut pas vivre à moitié carbonel sur la terre. Qu'un petit atome minus. C'est un grain de poussière. Tu dois désirer plus que ce que tu peux faire. Et dire avec entre la distance qui nous sépare. Les rêves du matin. Et hérité du soir. Schrödinger me dit, voyez quand vivons ici maintenant. Alors, bah, l'homme de Schrödinger, qui joue en ce moment à l'Artistique Théâtre, c'est une théâtre musicale expérimentale. C'est-à-dire que moi, c'est un projet que je porte depuis 2001 maintenant, où je faisais des études en physique quantique avant de faire mon métier intégral à plein temps sur le spectacle. J'avais une abordage d'abord scientifique. Et l'expérience du chat de Schrödinger, qui est une expérience où il y a une sorte de pensée, où on met un chat dans une boîte avec un atome radioactif et il est à la fois mort et vivant. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passait si un homme était dans cet état-là. Ça veut dire quoi métaphysiquement? Et donc, j'avais commencé à travailler dessus en 2001. Et quand j'ai eu l'occasion de créer un spectacle volontairement expérimental, je me suis associé avec Eric Chantelose, Raphaël Bancou, la même équipe que comédien, pour se demander qu'est-ce qui se passerait si un homme était dans une boîte de Schrödinger. Et en fait, l'intérêt n'est pas dans le côté scientifique, l'intérêt est dans le côté humain sur la gestion du choix, la gestion du ici et du maintenant, la gestion de l'émotionnel. Et on a créé cet ouvrage, L'homme de Schrödinger, volontairement comme un théâtre expérimental. C'est-à-dire, la comédie musicale, on connaît la grande comédie anglo-saxonne, on connaît les créations françaises, mais je crois qu'il faut la place pour un théâtre de recherche. Il faut la place pour se demander c'est quoi la comédie musicale de demain. Il faut faire des essais. Donc là, par exemple, sur l'homme de Schrödinger, on fait en effet une forme qui mélange le hip-hop, la vidéo, le théâtre, le cabaret, la chanson, avec des instruments. Par exemple, il y a un instrument, l'hélicone, qui existe seulement depuis un an. Et donc, je pense qu'on est les premiers au monde à intégrer cet instrument dans un instrumentarium de théâtre musical. Donc voilà, c'est un ouvrage qui ne se veut pas ni populaire ni élitiste. C'est un théâtre de recherche. Et j'invite tout le monde à venir le voir, à se laisser porter, à avoir son propre avis, à avoir son propre jugement. Mais en tout cas, vous laissez la place à la recherche dans le théâtre musical, à l'expérimentation, à quelque chose de nouveau. La matière m'obéit. Je suis Sacha. Donc j'ai en ce moment l'homme de Schrödinger qui joue donc à l'Artistique Théâtre, normalement si tout se passe bien jusqu'à début janvier. J'ai un chant de Noël de Dickens, une comédie musicale familiale d'après le conte de Dickens, qui commence le 21 novembre et qui se joue pendant toutes les fêtes, mercredi, samedi, dimanche et tous les jours pendant les fêtes, où là on a 7 comédiens chanteurs, des effets spéciaux, de la magie, 4 musiciens live. Sur un ouvrage que je défends aussi beaucoup, on a fait un pool d'auteurs. On a 7 auteurs-compositeurs qui se sont mis avec moi et qui ont créé cet ouvrage. Il y a Into the Woods qui continue, bien sûr. Là, on est à l'Opéra de Reims aujourd'hui, mais on va à l'Opéra de Massy en janvier, on va à la Croix-Rousse au mois de mars. Comédien qui continue au Théâtre de la Huchette et qui va prolonger le plus longtemps possible. Je suis tellement fier de ce spectacle et tellement content qu'il continue. Et puis des concerts à droite à gauche, des projets d'écriture, vous en saurez plus bientôt. Je suis bien occupé en ce moment, mais j'aime ça, donc pourquoi s'arrêter quand on a la chance de faire des spectacles personnels, des créations. Je suis très très fier de défendre des ouvrages, parfois en dehors de la grande vague traditionnelle, mais c'est ça que j'aime. J'aime profondément les histoires musicales et je veux en faire énormément. Le théâtre est une gigantesque boîte de Schrödinger.